Bonjour mes amis, bonjour Anissé, bonjour Bungubich. Bonjour professeur. Vous allez bien? Oui, je veux bien, merci. Et vous? Oui, ça va, ça va. Oui, monsieur. C'est bien. Donc, vous avez eu le temps de lire un peu ce qu'on a vu? Vous avez eu le temps de lire un peu? Oui, monsieur. Très bien. Je vous ai envoyé aussi les vidéos, les documentaires. C'est toujours pour enrichir votre cours. Hein? Surtout comme on est à distance, vous devez vraiment avoir le temps de visualiser au moins. Parce qu'en fait, l'objectif, quand je vous envoie des vidéos, c'est pour que vous soyez à la page. Hein? Lorsqu'on parle, par exemple, de l'épigénétique, que vous ne soyez pas surpris d'attendre ces mots-là, c'est comme si vous n'avez pas eu le cours de génétique. Ben, alors, je vous dis, avec des vidéos que je vous envoie, et il y a aussi des maladies. Vous allez voir qu'à la fin, nous avons cité quelques maladies, mais je vous ai envoyé des vidéos. Donc, avec ça, quand vous regardez, je suis sûr et certain que ça va rester dans vos têtes. Et puis, même quand vous discutez avec les gens, ils vont sentir vraiment que vous avez le cours de génétique. Alors, pour cette partie que je vous donne ici, on m'a dit qu'il y a un cours, je vais vérifier, que vous devez, je ne sais pas si c'est vous ou c'est un autre groupe qui doit avoir le même cours. Voyons, je vais voir. En attendant que tout le monde soit là, je vais voir. Bonjour professeur, je suis ravi de savoir que vous entendez bien. Je rappelle que dans votre intervention, que vous avez aussi un cours à licence 1 LMD. Licence 1 LMD, donc donc on m'a dit qu'il y a aussi le même cours de génétique des populations évolution en licence 1 LMD. Vous êtes au courant, hein? Vous êtes au courant de ça? Allô? C'est maintenant qu'on l'apprend. Ah, c'est moi qui vous apprends ou vous avez déjà appris ça? Non, c'est vous qui nous apprenez ça. Oui, mais c'est ça qu'on m'a dit qu'il y a aussi il y a deux parties. Il y a la génétique fondamentale, ce que je vous ai donné. Et puis, il y a éléments de génétique des populations. Donc, est-ce que parmi vous, il y a ceux qui vont aller à licence 1 LMD? Je ne sais pas comment ça s'organise là-bas. Je ne sais pas comment. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Mais dis-moi, le chef de promo de cette promotion me contacte, moi, je vous dirais, vous pourriez, ceux qui veulent, parce qu'aujourd'hui, ce que je vous donne, c'est juste, comme je dis, une notion élémentaire. Hein, ce n'est pas vraiment beaucoup de génétique des populations et évolution. C'est juste quelques notions élémentaires que je vous donne pour que vous ayez au moins l'idée de ce qu'on appelle génétique. Surtout que nous sommes en biologie. Qu'est-ce que je vais bouger? Bien. Je vois que tout le monde est là. Est-ce que vous êtes à mesure aujourd'hui d'enregistrer ce que je vous donne? Parce que je crois avoir activé cela. C'est possible, hein? Vous vérifiez un peu si je crois que c'est possible d'enregistrer. Bien, je crois que tout le monde est là, c'est ça? On va commencer. Bien. La génétique des populations
a pour objectif l'étude de la fréquence des gènes et des génotypes et des facteurs susceptibles de modifier les fréquences au cours des générations. Donc, c'est ça le but. Donc, vous avez un gène dans une population, un caractère dans une population donnée, et s'il faut commencer par définir la population, c'est quoi? La population, c'est un ensemble des individus interféconds. Donc, les individus qui peuvent se reproduire, et non seulement interféconds, mais qui habitent, donc qui sont dans un même territoire. Donc, c'est que vous avez les individus, donc l'ensemble des populations, des individus interféconds, c'est-à-dire qui peuvent se reproduire lorsque ils s'accouplent, et en plus qui habitent un même territoire ou un même habitat. Donc, vous avez le même aire de distribution et puis interfécondité. Ce sont deux caractéristiques d'une population. Alors ici, maintenant, j'étudie des populations. Dans chaque population, il y a toujours un caractère, il y a un gène, il y a une maladie quelconque qui survient dans une population. Alors nous, maintenant, ici, en génétique des populations, on essaie un peu de voir l'essor de d'une maladie dans une population, comment une maladie peut évoluer. C'est aussi une occasion pour répondre à la question que votre collègue m'avait posée, de savoir, est-ce qu'une maladie héréditaire peut disparaître? Est-ce qu'une maladie héréditaire dans une population donnée ou dans une famille peut disparaître? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, ici, on va étudier donc, la fréquence des gènes, des génotypes et le facteur qui peuvent modifier la fréquence de, ces gènes-là dans une population. Donc, c'est ce qu'on va essayer un peu de voir. Bon, on ne va pas vraiment entrer en détail. C'est juste... ce qu'on va faire, comme je disais, c'est juste une petite initiation. Donc, l'étude, le but, c'est étudier la fréquence des gènes et des génotypes. On a défini les gènes, Nous avons dit que le gène, c'est le support de l'information génétique. Ça, nous avons défini dans la première partie. Nous avons parlé des génotypes. C'est le génotype qui est à la base de phénotypes et ce qu'on voit. Les génotypes, c'est quoi? Ce sont des allèles, les gènes qui se présentent sous forme des allèles et ce qu'on appelle génotype. On a présenté les génotypes par les symboles, les lettres alphabétiques que nous avons présentées et c'est ce qu'on appelle les génotypes. Rappelez-vous de Mendel, nous avons donné des proportions génotypiques. Nous avons aussi donné des proportions phénotypiques. Donc, les génotypes, ce sont des gènes sous forme allélique. Donc, les gènes sous forme allélique, sous forme des allèles, et c'est ce qu'on appelle des génotypes qui sont responsables de caractères, de tout ce qu'on peut voir comme la couleur, la couleur des yeux, les maladies que nous avons, tout ce qui est morphologique, à la base, c'est les génotypes. Alors, quels sont les facteurs susceptibles de modifier les fréquences des gènes ou des génotypes au cours des générations successives? Alors ça, je réponds maintenant à la question de votre collègue qui voulait savoir si une maladie héréditaire peut disparaître. Ou soit dans une famille où il n'y a pas de maladie et la maladie peut arriver. Nous avons vu qu'il y a des cas où, par exemple, une maladie peut surgir dans une famille. Et nous avons dit que c'est le grand problème se situe au niveau de l'interface. C'est au niveau de l'interface qu'il y a un problème. Lorsqu'il y a les erreurs de la réplication, nous avons dit que la réplication est semi-conservatrice et c'est au cours de la réplication qu'il y a souvent des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui sont responsables de beaucoup de maladies. C'est le cas de la plupart de maladies épigénétiques. Par exemple, vous avez un radical libre qui se fixe comme le méthyle. D'où ce méthyle ou les radicaux libres proviennent d'où? Ça vient dans les aliments que nous mangeons. Quand vous mangez mal et que par malheur, ça se fixe sur l'ADN
ou l'acide déoxyribonucléique, le patrimoine héréditaire, cette molécule qui est responsable de l'information génétique. Et quand cette molécule est endommagée, il se peut qu'au cours de la réplication, le point G1-GD qui contient des protéines de contrôle et que cette information ne soit pas contrôlée et que ça passe d'une cellule à l'autre, ainsi de suite, des milliers de cellules, et là, on peut avoir des maladies. Alors, ici, le facteur maintenant, le facteur susceptible de modifier les fréquences des gènes ou des génotypes au cours des générations, nous avons, il y en a plusieurs, nous avons la sélection. La sélection. La sélection naturelle. Les conditions du milieu. Les conditions pour la survie. Les conditions pour la survie peuvent modifier aussi la fréquence des gènes. Nous avons, je vous ai donné l'exemple de l'escargot, l'extrogyre et l'évrogyre. Je vous ai dit que pour la survie, les escargots d'extrogyre qui sont plus éloignés des serpents, nous sommes en Asie, au Japon, où je vous ai montré à fonction, une adaptation à fonction des conditions du milieu. Ceux qui sont proches, les vogies proches des serpents, ont développé un mécanisme. C'est un réflexe, mais c'est une forme d'adaptation, une sélection pour la survie. Une adaptation qui fait que la forme de leur coquille a changé et ces escargots sont capables de survivre dans un milieu où il y a beaucoup de serpents. Par contre, ceux qui sont restés plus loin n'ont pas développé cela, qu'on appelle d'extrogyre, les taux de mortalité est plus élevé. Donc ça, c'est un rapport avec la sélection naturelle, la sélection. Donc la sélection, dans le temps, peut jouer sur les fréquences des gènes ou des génotypes. À part la sélection, nous avons aussi les mutations. Les mutations aussi. Les mutations, ce sont des changements brusques qui surviennent. C'est comme aujourd'hui, on parle des variants. On parle des variants, les variants de la COVID-19. On avait parlé des variants brésiliens, le variant sud-africain, le variant britannique, et actuellement, on parle de variants indiens. C'est-à-dire que ce sont des mutations, des changements brusques au niveau du matériel génétique qui ont souvent de l'impact. Et les mutations, la sélection, ça peut aussi jouer sur les fréquences des gènes ou des génotypes au cours des générations successives. Un gène, par exemple, responsable de l'anémie falciforme. La fréquence de ces gènes-là peut changer au cours des générations successives. Lorsque, par exemple, avant que vous vous mariez, vous décidez de faire l'examen. Si tous les jeunes gens, tous les jeunes gens qui veulent se marier, ils se décident, ils prennent la décision. Ils disent que voilà, nous, on ne peut pas se marier comme ça. Il faut qu'on puisse se marier seulement entre les individus. Je dois choisir, par exemple, une femme ou une femme qui dit je dois choisir un homme qui n'a pas ces gènes-là dans leur famille, qui n'est pas anémique. Vous allez voir qu'au cours des générations successives, les gènes S responsables de l'anémie falciforme, de la drépanocytose, va diminuer, pourra même disparaître. Donc ça, c'est l'effet de la sélection. Nous avons aussi la dérive génétique. La dérive génétique concerne des petites populations. La dérive génétique concerne des petites populations. Une population sur une île. Une population sur une île. Quand une population est sur une île, par exemple,
la fréquence d'un gène peut aussi changer avec des générations. Tout comme la fréquence d'un gène peut augmenter, de même la fréquence d'un gène peut diminuer. La fréquence d'un gène peut augmenter, par exemple, lorsqu'il y a le mariage consanguin, ça peut augmenter la fréquence de gène. Donc, la dérive génétique concerne souvent de petites populations. C'est ici que vous allez voir dans les notes, j'ai parlé de l'effet fondateur. Effet fondateur, vous avez de maladies rares qui surviennent dans des petites populations. Donc, de maladies rares qui apparaissent dans des petites populations. De petites populations, vous avez de maladies rares. Et c'est ce qu'on appelle effet fondateur. Lorsque, et ça, c'est la dérive génétique arrive aussi non seulement dans une petite population, mais lorsque les gens cherchent aussi, il y a les gens qui cherchent à se marier entre eux, on réduit un peu cette petite, les gens qui vont vers au niveau des tribus, vers au niveau des clans, et ainsi de suite. On cherche à faire le mariage comme les gens, il y a certaines personnes qui se marient aussi dans la même famille, des cousins, cousines, et comme ça. On veut réduire le cercle à ce moment-là. Ça, c'est la dérive génétique. Ça peut également influencer, n'est-ce pas, les fréquences des gènes ou des génotypes. Très important. Nous avons aussi les migrations. L'immigration, ça peut aussi influencer la fréquence des gènes. L'immigration peut aussi influencer la fréquence des gènes. L'immigration. Parce que quand on migre, il y a les facteurs du milieu, les facteurs climatiques qui vont agir sur l'organisme vivant. Après des années, des années, des années, le facteur du milieu agit. Il y a les contacts avec d'autres organismes que vous allez trouver, la fréquence peut aussi changer. Ça peut aussi modifier. Donc, ça peut aussi changer. Nous avons la consanguinité, le mariage entre les individus apparentés. Le mariage entre les individus apparentés qui ont le lien du sang. Lorsqu'on a le lien du sang, le fait que vous ayez le lien du sang, ça peut être un facteur susceptible de modifier les fréquences de gènes ou génotypes au cours des générations successives. Par exemple, en rapport avec la consanguinité, une maladie récessive qui s'exprime qu'à l'état homozygote. Lorsque deux individus, mâle et femelle, cousin, cousine, qui s'est mariée, cette maladie-là ne s'exprime pas. Lorsque la cousine s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ça ne s'exprime pas. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui, je vous écoute. Oui, allô? Mais est-ce que c'est l'étudiant ou celui qui m'appelle ici? Je vois quand on arrive au bout du tunnel et d'autant plus grand et plus intense, le tunnel était plus long. Mais je ne sais pas. C'est qui là qui ça? Il peut m'écrire un petit peu ça. Alors, donc, je continue alors. Qu'est-ce qu'il y a? Alors,
Est-ce que, mes amis, est-ce que vous enregistrez aussi la réunion? Parce qu'il y a l'un de vous qui vient de me dire qu'il est plus abondamment et qu'il ne pourra pas monter, que beaucoup d'étudiants dépendent de lui. Mais je ne sais pas son nom, c'est qui. De toute façon, moi, j'ai activé enregistrer. Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer pour les autres? Non. Est-ce que la lampe enregistrement, ça s'allume chez vous? Vous voyez, ça s'allume la lampe rouge. Oui, ça s'allume, mais on n'arrive pas à enregistrer. Non, c'est pas grave. Alors, comme ça s'allume, moi, je vais enregistrer, je vais vous envoyer comme d'habitude, c'est ça? D'accord, professeur. OK. Très bien. Ben, ceux qui pourront, ça, c'est comme vous, vous êtes à la cité ou vous êtes dans le dortoir? À la cité. Ah, ben voilà. Et il peut aussi se connecter à la cité. Ben, vous avez de la chance, je vous envie. Je vous envie, franchement, la technologie a évolué, hein. Parce qu'il voulait monter, mais vous, vous êtes à la cité, vous êtes capable de vous connecter, c'est déjà vraiment, c'est merveilleux, ça. Alors, donc, je disais que, mes amis, nous avons le facteur susceptible de modifier les fréquences de chaîne. Alors, j'ai parlé de la consanguinité. Lorsque, par exemple, dans la famille, il y a, prenons les cas, un gène récessif. Un gène récessif qu'il s'exprime qu'à l'état homozygote. Cousin, cousine, cousin hétérozygote, cousine hétérozygote. C'est-à-dire que les deux futurs mariés ne sont pas malades, mais sont porteurs de ces gènes. Mais à partir de la consanguinité, qu'est-ce qui va se passer? Le gène va s'exprimer dans la génération. À ce moment-là, la consanguinité à favoriser la modification de la fréquence de ces gènes responsables, par exemple, de la drépanocytose. Le gène qui était létal a été favorisé à cause de la consanguinité. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir un peu. Ça, c'est très important à dire. C'est ce que nous sommes en train de voir en génétique, donc comme initiation à la génétique des populations et évolution. Alors, fréquence allélique et estimation de la fréquence des gènes. Parce que nous avons dit que il faut, l'objectif ici, c'est d'estimer la fréquence des gènes. Alors, on peut estimer la fréquence des gènes à partir des génotypes. Donc, à partir des génotypes, on peut estimer la fréquence des gènes. Lorsqu'on parle des génotypes, on voit déjà des individus. On voit des individus. Alors, pour parler des fréquences géniques, ou plutôt alléliques, on se réfère à la notion des poules, des gènes d'une population. Donc, vous avez le pool, l'ensemble des gènes d'une population. Pour un gène autosomique, le gène autosomique, nous avons dit que lorsqu'on, dans le chromosome, dans les cellules sexuelles, nous avons, pour les cas des hommes, nous avons 22 autosomes et un hétérochromosome. Autosomes, ce sont les 22 parce qu'il y en a 23. Donc, nous avons 23. 23. Pour un individu, nous avons 46 chromosomes. De 46, donc nous avons 44 gènes autosomiques, 44 autosomes, et puis nous avons deux hétérochromosomes, c'est-à-dire que qui détermine le sexe. Donc le chromosome lié au sexe X et Y. Alors, pour un gène autosomique, dans une population d'un individu, il y a 6 locus. Donc nous avons 2 locus. Alors, si l'on considère un locus avec 2 allèles A, grand A, et petit a, P définit la proportion, donc le P ici définit la proportion de l'allèle grand A, l'allèle dominant, et I la proportion de l'allèle petit a, l'allèle récessif. Donc ici, nous sommes, par exemple, on voit, c'est comme dans le cas de SF, hein?
L'estimation de la fréquence des gènes à partir des génotypes n'est possible que si tous les génotypes sont identifiables. Donc, pour qu'on puisse estimer, donc ici, l'estimation, la fréquence des gènes à partir des génotypes n'est possible que si tous les génotypes sont identifiables. Et vous avez ici la formule qu'on vous donne, ça c'est la formule qu'on vous donne. Le P, c'est pour les gènes féminins. Ça, c'est la formule générale qu'on vous donne ici. Ça, c'est la formule générale. Alors, passons par un exemple. On va voir un exemple, comment est-ce qu'on peut essayer d'estimer cela. Alors, soit un croisement entre une plante à fleurs rouges et une plante à fleurs jaunes. Toutes les plantes issues de ces croisements ont des fleurs violettes. Donc, il s'agit de quel cas ici? Lorsqu'on croise une plante à fleurs rouges, une plante bleue, toutes les plantes issues de ces croisements ont des fleurs violettes. Il s'agit de quel cas? Maquessé, il s'agit de quel cas? C'est quel type de croisement ici que nous avons? Maquessé. Bokole, c'est quel type de croisement? C'est quel type de croisement que nous avons? Nous avons quel type de croisement? On dit on croise une plante à fleurs rouges et une plante à fleurs jaunes. C'est quel cas? Il s'agit d'un cas de hybridisme, monohybridisme ou trihybridisme. Oui, Anissé, je vais donner la parole. Oui, Anissé. Samasuba, oui. Le reste, c'est juste Samasuba. C'est un monohybridisme. Ok, voilà. C'est un monohybridisme. Il s'agit donc d'un monohybridisme. Alors, maintenant, lorsque vous avez une fleur rouge et une plante à fleur jaune, on le croise. Alors, toutes les plantes issues de ces croisements ont des fleurs violettes. Il s'agit de quel monohybridisme? Avec dominance ou avec codominance? Oui, Anissé. Avec codominance. Avec codominance. C'est très bien. Je cherche un endroit où je peux. Avec codominance. Voilà, le croisement est là. Une plante à fleurs jaunes qu'on croise avec une plante à fleurs rouges. Le type de gamètes. Pour cet individu ici, nous avons grand J, R, en majuscule. Ça signifie que les deux, il y a codominance. Les types de gamètes sera produit par cet individu homozygote. Homozygote parce que les deux allèles sont identiques, donc c'est homozygote. Si les deux allèles étaient différents, on parlera de l'hétérozygote. Mais ici, il s'agit d'un homozygote parce que les deux allèles sont identiques. Alors, comme c'est identique, un seul type de chromosome qui est produit, de cellules sexuelles, grand J pour cet individu et R pour l'autre. Ici, c'est F1, nous avons un hétérozygote. F1, nous avons un hétérozygote violet. Voilà, violet. Un nouveau caractère apparaît pour dire que il y a codominance entre jaune et rouge. Il y a codominance. Donc, supposons que en F1, on avait jaune, à ce moment-là, on dira que la couleur jaune est dominante et la couleur rouge est récessive. Alors, lorsqu'on croise
Alors, lorsqu'on croise je vois ici, on me dit que dans il va bientôt. S'il s'arrête, on va faire comme d'habitude. Nous allons toujours revenir sur le même lien. Ça va? OK? D'accord, professeur. OK, professeur. Okay. Parce qu'on me dit que on va faire comme d'habitude et puis même lien, on active jusqu'à ce qu'on va finir. Parce qu'on me dit de mettre à jour aussi, à jour, c'est qu'il faut payer. Alors, donc, ici, nous croisons maintenant ces individus de F1, on les croise entre eux, voilà, c'est ce que je vais montrer ici, on les croise en F2. Ça, ce sont les types de gamètes qui seront produits. Je vais déplacer la vidéo là. Voilà les types de gamètes. Voilà. Donc, ça dit que vous avez ici les types de gamètes. Ceci avec ça. Donc, je vais répondre excellent de vite. Je vais répondre. Donc, ça, ce sont des gamètes. Les gamètes que ces individus vont produire. Donc, cet individu ici va produire deux gamètes différents parce que c'est un hétérozygote. Hétérozygote, pourquoi? Parce qu'il est formé de deux allèles différents. Ça, c'est un homozygote. Homozygote, pourquoi? Parce qu'il est formé de deux allèles identiques. Homozygote ou race pure. Homozygote ou race pure. Hétérozygote. Et l'homozygote produit qu'un seul type de gamètes. Par contre, l'hétérozygote produit en fonction d'un nombre donc de caractères. Mais ici, un seul caractère, l'homozygote va produire des gamètes. Je crois avoir donné la formule. Je vous ai donné la formule pour trouver le nombre de gamètes. D exposant N. Un caractère. Donc, la formule pour trouver le nombre de gamètes, c'était 2 exposant N. Alors, lorsque vous avez un seul caractère, c'est 2 exposant 1, ce qui fait 2 caractères. Si nous avons 2 caractères, c'est 2 exposant 2, ça fait 4. Je vous avais trouvé, donc, les 4, c'est le nombre de gamètes que l'individu peut produire. Ça, je vous avais donné cette formule-là. Alors, première possibilité, cet individu donne cette cellule sexuelle, donc cette cellule sexuelle, et l'autre, et on a cet individu qui est homozygote. Deuxième possibilité, voilà, soit ceci se combine avec R et nous avons un hétérozygote. Troisième possibilité, soit R avec J et voilà, nous avons aussi un hétérozygote. Troisième possibilité, RR, et nous avons cet individu homozygote. Alors, la fréquence, voilà comment se présente la fréquence. Le jaune, c'est un quart. Violet, c'est deux quarts, c'est un. Donc, le un quart, c'est quoi? Un, deux, trois, quatre. Quatre individus. Donc, quand je dis c'est un quart, donc sur les quatre génotypes que nous avons obtenus, nous avons un jaune, deux quarts, ça signifie que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur les quatre génotypes que nous avons obtenus, nous avons deux violets. Donc, ça fait deux quarts, donc soit 50%. Et les rouges, c'est une fois, donc sur quatre, donc un quart. Alors, où est-ce que je vais balancer cette... C'est pas moyen de... Alors, la fréquence maintenant de P est égale à F
Ça, c'est une formule que vous devez retenir. Ça, c'est une formule que nous allons utiliser plus loin, que vous devez retenir. Ça, c'est la formule maintenant pour calculer la fréquence. C'est F, G, G, la fréquence de J, J, plus 1 demi, le nombre des intérêts zygotes. Alors, pour les qui, c'est ça. Ça, le P et les qui, vous avez eu ça en binôme. Le binôme, rappelez-vous de la formule que vous avez eue à l'école primaire ou secondaire, P plus qui égale à 1. Vous rappelez? Vous rappelez? De la formule P plus qui égale 1. Est-ce que vous rappelez? Oui, professeur. Vous avez eu ça. Parce que si vous prenez, par exemple, P plus qui au carré égale P carré plus DP qui plus qui carré. Ça, c'est la formule que vous avez. Parce que c'est la formule de base qu'on utilise pour calculer la fréquence de gènes. Vous allez voir plus loin que nous aurons besoin de cette formule-là pour calculer la fréquence des gènes. Et c'est cette formule-là qu'on utilise, cette égalité-là, le P plus qui égale 1, c'est cette égalité-là qu'on utilise pour voir s'il y a équilibre. Le gène n'a pas varié, n'a pas changé dans le temps. Si la fréquence d'un gène n'a pas changé dans le temps, c'est à partir de cette formule-là qu'on utilise ici en génie des populations pour voir si... parce que la génie des populations, c'est quoi? C'est vraiment un peu de la mathématique en génétique qu'on utilise. Il y a une sorte de modélisation qu'on utilise pour voir un peu comment évolue un gène dans le temps. Mais là, il faut utiliser la mathématique pour faire cela. Demande. Alors, comment contrôler la fréquence des gènes dans une population? Ici, nous avons vu comment est-ce qu'on peut calculer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler? Par exemple, nous avons un gène. Il y a plusieurs façons qu'on le contrôle. Nous le faisons souvent pour des cas simples. Les cas, par exemple, lorsque par exemple, les gens veulent se marier et qu'ils font l'électrophorèse, lorsque aujourd'hui on veut se marier, on se dit, bon, pour éviter des surprises désagréables, il faut qu'on fasse les examens. Les examens pour éviter les maladies héréditaires. Ça, c'est aussi une façon de contrôler la fréquence d'un gène. On peut contrôler. Si vous savez que dans votre famille, vous avez telle maladie qui survient souvent, il y a moyen de contrôler cela. Donc, on utilise ça souvent. Mais il y a des cas aussi très complexes, des cas très complexes. Il y a des cas très complexes aussi, et cela a des limites. Alors, dans les cas de contrôle d'un gène dans une population, il y a une étude, par exemple, je ne sais pas, un assistant était en train de faire une très, très belle étude, je ne sais pas, il est maintenant à quel niveau. Il était en train de voir un peu, il voulait mettre au point les maïs, qui peuvent résister au changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, à la sécheresse, lorsqu'il fait très chaud, parce que si vous remarquez bien, la température, même à Kinshasa, ne fait qu'augmenter chaque année, la température, il fait très, très, très chaque année, et c'est là, ça a de l'impact sur l'agriculture, sur la santé, sur beaucoup de choses. Maintenant, cet assistant, il était en train de faire une étude, il voulait voir un peu comment est-ce qu'il peut essayer de modifier, de trouver un gène ou de fixer un gène dans une population de maïs pour que, quelle que soit l'augmentation de la température, que cela ne puisse pas avoir de l'impact sur la production de ces maïs-là. Alors lui, dans son exposé, lui il faisait son séminaire, lui il voulait faire les clonages, prendre un gène de maïs qu'il a vu quelque part qui résiste à la chaleur et l'insérer dans le patrimoine, dans l'ADN de maïs qu'il voulait améliorer. Donc, un gène de maïs qui est résistant et l'insérer. Moi, je lui dis que non, mais il y avait toujours moyen de fixer à partir des contrôles de mariage ou de croisement. Donc, on peut. Une fois qu'on a un gène,
On peut contrôler ces gènes-là à partir d'une loi que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous donner une loi.